Allô, oui, bonjour. Je suis rentrée donc à l'INRA en 2004. Dès mon arrivée dans le laboratoire, la directrice m'a fait confiance, m'a donné vraiment de plus en plus de responsabilités. Et d'ailleurs, avant son départ, elle m'a nommée dans la direction collégiale du laboratoire. Congélateur 18. Aujourd'hui, je me sens vraiment bien à mon travail et je suis vraiment heureuse parce que je travaille avec une équipe jeune, dynamique et surtout motivée. Je suis gestionnaire d'unité au sein du CNRGV, qui est le Centre National de Ressources en Génomique Végétale, qui a pour vocation de conserver et de distribuer des collections génomiques de plantes modèles et cultivées. Ma première mission, c'est d'assurer la gestion financière de l'unité. Donc j'établis et je propose le budget, qui est 1 000 000 d'euros par an, et je contrôle également sa répartition et son exécution. Ma deuxième mission, c'est d'assurer toute la partie gestion administrative, notamment par le biais d'une application qui nous permet de suivre l'intégralité de nos prestations de services, qui va de la demande du client qui se fait sur le site internet jusqu'à la facturation et au paiement de la facture. En ce qui concerne les ressources humaines, je pilote ce processus depuis la création de l'unité et cette mission, elle englobe vraiment le recrutement, l'accueil et va jusqu'à l'analyse et la formalisation des besoins de formation des agents de l'unité. Ma dernière mission, c'est vraiment d'animer la démarche qualité dans l'unité. J'ai amené le CNRGV à l'obtention de la norme ISO 9001 en 2005 et depuis 2014, j'ai positionné le CNRGV sur la nouvelle norme qui concerne les centres de ressources biologiques, les CRB. La diversité de mes missions fait que finalement, je me sens utile pour l'unité et surtout heureuse car je travaille avec des personnes motivées, dynamiques et soudées. On est où, moi ? On va pas tous rentrer dedans. Comment ça, il est gros? Ce serait une abeille qui part butiner les informations. Une petite abeille, mais qui danse la zumba. La vanille, parce qu'elle vient de la Réunion. Un cactus, qui s'y frotte ses pics. Efficace. Allez, hyper organisé, c'est chez Excel, c'est... C'est l'été. L'hiver, qu'elle transforme en été. Le rouge. Le jaune fluo, comme les post-it et les surligneurs. James Bond, version féminine. Samantha, de Ma Sorcière Bien-Aimée. Un carré de poisson à partager entre amis. Ce serait les tapas des mojitos. Pour l'avenir, j'ai vraiment un projet qui me tient à cœur, c'est le projet Gaïa. Donc ce projet a pour objectif d'explorer la biodiversité et d'étudier la capacité naturelle des plantes à s'adapter aux différents milieux de la planète. C'est un projet d'une grande envergure qui va relever vraiment de nombreux challenges du point de vue scientifique, mais également d'un point de vue administratif. Joker. Compta. Ben, les chiffres, c'est mon dada. Hein. Bureau, mais j'avoue que le labo me déplairait pas non plus. Science. Souris de bureau. Ah ben, végétal. On est dans un laboratoire de génomique végétale. PC, on n'a pas de maths au labo. Très bonne question. Recette. À l'INRA tous les lundis, Zumba, 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 eh.